Yo les potes, Sensq, nouvelle vidéo. Je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Du coup, on va parler de la BD. Les deux nouvelles pages viennent d'arriver. Enfin, un peu avant. Et on a deux nouvelles lettres. On a la lettre L et la lettre I. Donc, faut savoir que dans chaque pays, ils ont des lettres différentes. Parce que forcément, les mots ne se disent pas pareil. Du coup, nous, en français, on a eu CONFLI. Donc, en attendant, ça fait le mot conflit. Donc reste plus qu'à voir la dernière lettre, si c'est juste un T ou si c'est un T et un S, donc s'il y a plusieurs conflits ou un seul conflit. Alors il menace le destin de toutes les réalités, donc je pense que c'est Galactus. Donc voilà, Galactus d'ailleurs, il a l'air un peu violet genre sa tête, ça me fait penser à Thanos. Du coup c'est parti pour la BD, let's go. Du coup je vais pas vous récapituler parce que j'ai un peu la flemme. Si vous voulez voir toutes les premières pages, allez voir ma vidéo. Du coup, c'est parti, on était à là. Quand bien même l'énergie de l'île obscurcit son esprit, Thor manipule la foudre et les pouvoirs d'un dieu comme s'il n'en avait rien perdu. Partout ailleurs, l'avenir serait plutôt morose pour celles et ceux qui essaient de, j'arrive pas à lire, de lancer l'assaut contre un dieu égaré et en colère. Mais ici, dans cet étrange endroit, il y a des soucis plus pressants. Alors que Thor puise dans la force d'un dieu devenu roi pour retrouver l'espace d'un instant ses souvenirs perdus. Qu'est-ce qu'il y a? Il lève les yeux vers le ciel et découvre que l'effroi a avalé l'horizon lumineux. Par la barbe d'Odin, c'est ça. Je suis ici à cause de lui. Ok. Page suivante. Galactus. Galactus, le dévoreur de monde, arrive. Sif. Ok, il envoie des corbeaux. Les corbeaux d'Odin, légués à Thor, peuvent traverser les barrières dimensionnelles en moins de temps qu'une goutte de pluie qui tombe. Le message de Thor est délivré tel un cri à travers l'univers. Vite, Sif, Thor a besoin d'eux. Je vois à travers tes yeux aussi bien que les siens. Jusqu'à Sif, celle qui fut autrefois l'inébranlable fille d'Asgard, ne t'inquiète pas. Ok, c'est fini. Donc là, Thor, il avait perdu la mémoire. Hop, parce que tout le monde voulait se battre contre lui, parce qu'ils ne comprennent pas et c'est un étranger et tout. Là, ensuite, Terror Fluo fait oh, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Et là, Galactus, apparemment, il a déjà mangé la faille. Ou il sort de la faille, je sais pas. Soit il sort, soit il l'a mangé. Et du coup, ben, Thor, il appelle à l'aide à Sif et sûrement à d'autres héros. Du coup, on verra la suite de la BD la prochaine fois. Et puis concernant le Snapple, on n'a toujours pas de nouvelles, il arrivera bientôt, vous inquiétez pas. La saison elle est dans 2 jours normalement, le 27, fin 27, début 28, le matin normalement du 28, ou du 27 je sais plus. Et sinon la rentrée c'est dans 6 jours, du coup c'est dans un peu plus longtemps, on pourra jouer la nouvelle saison 3-4 jours. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Ciao!